Je me baladais sur les boulevards lorsque je rencontre l'ami Bidard. Il avait l'air si estomaqué que je lui ai demandé de s'expliquer. Eh bien, voilà, me dit-il. Je viens d'avaler ma pendule. Alors je vais chez le chirurgien, car j'ai une peur de chien que ça me tombe dans les vestibules, dans les vestibules. Un mois après, je revois mon copain. Il avait l'air tout ce qu'il y a de plus rupin. Alors je suis été le trouver et je la consommais de s'expliquer. Eh bien, voilà, me dit-il, je gagne ma vie avec ma pendule. J'ai sur l'estomac un petit cadran, je vends l'heure à tous les passants. En attendant que j'ai le cadran dans les vestibules, dans les vestibules. À la fin, le type, il suicida lorsqu'il eut vu que personne l'opéra. Et comme j'arrivais juste sur le chantier, moi je lui ai demandé qu'il vienne s'expliquer. Eh bien, voilà, me dit-il, j'en avais assez d'avoir une pendule. Ça m'empêchait de dormir la nuit. Pour la remonter, il fallait me faire un trou dans le dos. Je préfère être pendu que pendule. Que pendule. Quand il fut mort, je vais à son enterrement. C'était le matin, ça m'ennuyait bien. Mais quand il fut dans le trou, ah, ce qu'on rigola. Quand au fond de la bière, le septième coup de minuit, tintin. Eh bien, voilà, 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 il avait avalé une pendule. Ça n'arrive pas à tous les chrétiens, même à ceux qui ont un estomac de chien. Et du cœur dans les vestibules, dans les vestibules.